Bonjour Lucas Bellevaux. Bonjour. Nous avons eu la chance de découvrir des hommes en avant-première ici à Lumière. La première question qu'on pose généralement pour un film, c'est sa genèse. Mais ici, on a envie de vous poser une question légèrement différente. Parce que ce film parle de l'histoire. L'histoire, elle est retranscrite dans un livre qui s'appelle Des hommes. Vous-même, vous en faites un film. Et après, les acteurs interprète, parce que c'est un texte assez littéraire quand même, et de tous ces nouveaux tous ces niveaux d'interprétation, il y a une possibilité que le sens soit réinterprété. Est-ce que cette possibilité que le sens initial de l'histoire ou des différents auteurs soit trahi, c'est quelque chose qui, et que ça passe à travers plusieurs filtres comme ça, c'est quelque chose qui à un moment vous a questionné ou vous a pu vous faire peur avant de vous lancer dans ce projet? Me faire peur, non, parce que oui, c'est des regards. L'histoire, de toute façon, elle est toujours racontée. Il n'y a que les historiens qui sont censés la regarder et la raconter objectivement, mais encore, pas toujours. Ils ne le font pas toujours. L'histoire a été beaucoup réécrite, interprétée. Donc là, effectivement, c'est une histoire, mais c'est l'histoire à hauteur d'homme. Hein. Ce n'est pas l'histoire en tant que fait historique uniquement. Et pourtant, donc, elle est racontée d'abord par Laurent Mauvignier, qui nous parle de personnages. En plus, c'est les personnages qu'il a connu, mais il y a un regard de fiction, il y a déjà un filtre, effectivement. Ensuite, il y a mon regard, effectivement, de l'adaptation, et puis mais faire un film, c'est de toute façon des couches successives et des regards successifs. Et plutôt que d'avoir une déperdition du discours qui pourrait arriver, que ce qu'on veut raconter se dilue, moi je pense que c'est plus des couches successives, et que ça enrichit à chaque fois. C'est-à-dire que on peut se dire que par rapport à un travail d'historien, le travail du romancier va enrichir la façon de raconter l'histoire en ramenant une partie humaine, un regard sur l'humanité. Et là, c'est manifeste. Ensuite, le regard du cinéaste sur le roman va encore amener autre chose qui peut enrichir. Ce qu'il y a, c'est que chaque étape, on doit être très rigoureux et penser à ne pas trahir l'auteur précédent. Et donc, voilà, je pense que le film est assez fidèle au roman, même très fidèle, et que par rapport à l'histoire, telle qu'elle a été vécue par ceux qui l'ont faite, on ne trahit personne non plus. Les anciens combattants qui ont vu le film l'aiment et s'y reconnaissent. Quel sens vous accordez-vous à titre personnel au titre du livre, Des hommes donc, qui résonne dans plusieurs phrases, dans le texte du livre du coup et dans le film? Est-ce que ce sont des hommes qui, ce sont ces hommes-là qui commettent des atrocités? Est-ce que ce sont ces hommes qui, face à une même vérité, développent une psychologie totalement différente? Est-ce que ce sont de jeunes adultes qui vont devenir des hommes? Ou est-ce qu'il faut comprendre cette phrase « des hommes » comme un traité sur les hommes, un peu comme de l'amour de Stendhal? Oui, absolument. Mais c'est tout ça en même temps. Et effectivement, j'aime bien la dernière hypothèse, c'est des hommes. On va parler des hommes, on va réfléchir sur ce que c'est l'humanité, mais aussi l'humanité masculine hein, à cette période-là. C'est quelque chose de très particulier qui était inscrit dans le destin des hommes, justement, depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que chaque génération de garçons avait sa guerre. Et tous les hommes, à un moment de leur vie, partaient à la guerre. Les femmes en souffraient aussi de façon différente, mais il y avait quelque chose d'écrit dans l'histoire des garçons, dans leur destinée. Ils devaient partir et peut-être mourir, ou en tout cas être prêts à mourir. Mais c'est aussi des hommes, c'est toutes les hypothèses aussi. Mais la dernière, finalement, synthétise le tout. La question de la bonté humaine, plutôt son questionnement vis-à-vis de sa nature et de la manière dont la société le corrompt, est-ce que c'était central dans votre projet ou c'est venu indirectement? Mais c'est assez marrant comme question parce que notre personnage principal, tel qu'il est décrit par sa sœur, il n'est pas bon naturellement. Il n'était pas bon enfant. Enfin, peut-être il a été tout petit, mais en tout cas, elle décrit un enfant brutal, un enfant sauvage, un peu comme peut l'être Heathcliff dans Les Hauts de Hurlevent. Et le personnage que décrit Catherine Fro quand elle parle de son frère enfant et jeune âme, c'est quelqu'un qui fait peur à tout le village, c'est quelqu'un presque d'une sauvagerie. Et son cousin aussi le décrit comme ça. Il dit que c'était pas un gentil. Et en fait,
ce qui va se passer, c'est qu'il va s'ouvrir au monde en partant à la guerre. C'est le jour où il part chez lui, il va découvrir le soleil, la beauté des corps, l'amour, la beauté du monde. Et au moment où il commence à s'ouvrir, il découvre en même temps l'horreur dont est capable l'humanité, dont sont capables les hommes. Et ça va lui provoquer une espèce de, comment dire, un switch ou une fêlure terrible dont il ne se remettra jamais, parce que probablement il a pas les armes intellectuelles pour vivre ça. Le film regorge de nombreux thèmes. On peut citer la mémoire, la psychologie, la politique, l'histoire avec un grand H, les rapports familiaux, les rapports sociétaux, les secrets de famille. Et les thèmes, ils s'entrecroisent, ils sont pas développés les uns après les autres, ils s'entrecroisent. Il y a ceux qui étaient forcément au centre de votre projet, mais il y en a aussi certains qui sont venus se rajouter aux différents stades d'écriture, mais aussi malgré vous. Est-ce que vous, quand vous regardez le film aujourd'hui, est-ce que vous avez découvert des thèmes que vous n'imaginiez pas au départ? Non, des thèmes non, parce que comme vous dites, ils sont entremêlés, ils se chevauchent et tout, mais à chaque fois c'était une ligne de complexité, je dirais, dans l'idée de rendre au maximum compte de la complexité de l'humanité. Donc tout y était, et quand c'était assez fragile comme équilibre, donc dès qu'on rajoutait un élément, c'était sciemment. Et donc je savais, il fallait que je pèse le pour et le contre. En revanche, ce que j'ai découvert des choses dans au moment de l'incarnation par les acteurs, chacun, c'est la dernière couche dont vous parliez tout à l'heure, cette couche des acteurs, le regard des acteurs sur leurs personnages a apporté des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Ouais. Et c'était assez beau, ça. J'imagine que quand vous choisissez des acteurs comme Depardieu et même Jean-Pierre Darroussin, évidemment, il y a la question politique qui s'invite peut-être plus encore que vous l'imaginiez au départ. Pas plus, parce que je les connais, je sais ce qu'ils pensent, on ne sait jamais complètement ce que pensent les gens, mais je sais qui sont les acteurs. Un acteur, il arrive toujours avec sa filmographie, sa biographie, qu'on connaît plus ou moins. Il y a Jean-Pierre, il y a aussi Catherine. On a parlé avant, et chacun a son expérience de la guerre d'Algérie. Ce qu'il en sait, ce qu'il en sait pas, ce qu'il a découvert dans le scénario, ce qu'il a découvert autour en travaillant. Pour Jean-Pierre et Gérard, ils ont connu des types qui revenaient de là. C'était la génération de leur frère aîné. Ils ont vu ça un peu de loin, ils ont vu ça déjà à l'époque avec leurs yeux d'enfants ou d'adolescents, donc ils savent, ils connaissent cette fracture là en plus les deux c'est pas des gens inaccessibles, donc ils ont continué à vivre dans le monde, à rencontrer des gens de toutes conditions, donc ils sont pas étrangers à ça, donc chacun avait son regard et son avis, mais c'est même pas une question d'avis, c'est plus profond que ça, je pense. Est-ce que vous pouvez nous raconter du coup comment vous avez constitué ce casting? C'est un casting d'évidence, je pense. Chacun s'est imposé un peu malgré moi. Quand j'ai lu le livre, tout de suite j'ai pensé à Depardieu, parce que voilà, tel qu'il est décrit, tel qu'il parle dans le livre, etc., c'est une espèce d'ogre, c'est un personnage démesuré, énorme, qui fait peur à tout le monde. Donc voilà, il y avait pratiquement que Gérard qui pouvait jouer ce personnage dans le cinéma français. Catherine, Jean-Pierre, à chaque fois c'est pour des raisons différentes, quoi. Catherine, il fallait faire une fratrie avec Gérard. Et elle a cette capacité, je pense, tout en étant fragile, je sais pas, elle doit faire deux fois moins en poids que lui, voire plus, et en taille. Enfin, elle a un côté petite chose, enfin petit oiseau à côté de Gérard, même si je n'est pas si fluette que ça, mais il y a quelque chose de fluet, même dans la voix. Et pourtant, c'est elle qui le protège. Elle est plus jeune que lui dans le film, et en vrai. Lui l'a protégé et elle le protège aujourd'hui, et il y a une relation très complexe entre les deux. Et donc il faut trouver une comédienne qui quelque part impose ça immédiatement, et Catherine, elle faisait ça, j'y ai pensé dès la lecture aussi. Et puis pour Jean-Pierre, c'est encore un autre truc, c'est qu'il a assez peu de texte dans le film. C'est à la fois le narrateur, mais aussi celui qui regarde, qui écoute, qui s'exprime peu, c'est un taiseux. Et donc il fallait un acteur qui, sans grande scène de comédie, pouvait
faire passer énormément de choses. Et la profondeur du personnage et sa complexité sans mots presque. Et ça, Jean-Pierre, c'est un champion pour ce genre de choses. Et Johann Zimmer, à qui il incombe d'incarner un Gérard Depardieu jeune qui est dans tous les imaginaires. Ouais, ouais. Mais en même temps, il fallait se sortir de cet imaginaire et de cette idée qu'il devait jouer ou incarner Depardieu jeune. En fait, il y a deux comédiens pour un même personnage. Et ce que j'ai demandé à Johan tout le temps, pendant tout le tournage, ça a été de jouer Bernard jeune et pas de jouer Depardieu jeune. Est-ce que pour vous, devoir tourner au Maroc, c'était un petit peu un crève-cœur, puisque le sujet c'était l'Algérie, et j'imagine que vous aviez imaginé de tourner en Algérie? Oui, mais en même temps, faire un film, c'est toujours passer du rêve à la réalité. C'est un tournage, c'est l'épreuve de la réalité par rapport à ce qu'on a imaginé pendant l'écriture. Et c'est toujours ça, c'est le casting, c'est ça. Parfois, on a rêvé d'un acteur ou d'une actrice, on en a un autre, et puis on se rend compte que c'est mieux. Ça peut être ça, c'est les repérages, c'est sans arrêt ça. On a imaginé une maison ou un paysage qu'on ne trouve jamais. Et donc voilà, j'ai appris avec le temps et l'expérience à accepter ça et en profiter presque, parce que par moments, la réalité va nous amener et va enrichir aussi le projet. J'ai essayé d'inscrire un peu ce film-là dans votre propre filmographie et je l'ai rapproché de films comme 38 témoins ou Chez nous, naturellement. Mmh. On retrouve une interrogation politique et morale, à la fois sur le plan de la psychologie individuelle, mais aussi de la psychologie plus collective. Et à chaque fois, ce qui est surprenant dans votre geste cinématographique, c'est que on voit bien que vous avez un parti pris, mais on voit bien que vous cherchez à l'effacer dans la façon dont vous... Et ça peut donner des choses assez étonnantes en termes d'interprétation. Par exemple, je ne vais pas citer ma collègue ici présente, mais elle y a vu un geste de droite d'un point de vue politique. Et dans quel film? Dans celui-là, dans Des Hommes. Alors que j'imagine que quand on vous dit ça, ça vous effraie. Mais qui ça? Je ne sais pas qui. Ah ouais, ouais. Mais écoute, on en parlera. Mais je vois pas. Non, non, pour moi, il n'y a pas. Je vois pas où est le geste de droite. Mais c'est amusant. Mais la question se pose, hein, parce que il y a l'absence. C'est un peu comme dans L'Étranger de Camus, dans le livre de Laurent. Il n'y a pas le regard de l'Algérien. Donc ça peut être une absence, ça peut être vécu comme ça. Mais par rapport à mon travail en général, quand vous dites qu'à la fois il y a une réflexion, en même temps je la cache, c'est pas que je la cache, c'est que j'essaye d'amener le spectateur à sa réflexion propre. Moi j'ai ma réflexion, j'ai mon travail, j'expose des faits, un regard, voilà, je donne des pistes, ou j'en donne plusieurs, et après j'essaye de laisser le spectateur suffisamment à distance pour pas imposer ma vision des choses. Dans 38 témoins, j'impose rien, c'est à chacun... Chacun vient exposer son ressenti, sa théorie pour certains, son ressenti pour d'autres. Et puis après, c'est au spectateur de faire son travail. J'essaie pas de le mettre en position de lui-même d'être témoin et coupable de ce qui s'est passé. Le spectateur est coupable de rien. Le témoin, éventuellement, mais pas le spectateur de cinéma. Et sur tous mes films, c'est comme ça. Donc j'essaie de pas trop imposer ma vision des choses. Vous dites que la guerre d'Algérie est un peu pour la nation France ce qu'un secret de famille est pour une famille. C'est Benjamin Stora qui dit. D'accord. Ça. Et qu'il faut briser l'omerta, du coup, qui s'installe quand les choses se placent. Mais il y a une différence quand même, parce qu'un secret de famille, ça désigne clairement l'origine du mal. À la base, il y a un coupable et il y a une victime en général. Et après, il y a d'autres personnes qui... ont cette connaissance-là et qui décident de ne pas la taire. Ici, les choses sont peut-être un peu différentes parce que dans une guerre, il y a des exactions des deux côtés. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette réflexion-là? Ça m'évoque effectivement, c'est une guerre où il y a... où tout le monde est victime, en fait. Enfin, il y a quelques bourreaux, enfin, il y a des bourreaux,
Effectivement, s'il y a des victimes, c'est qu'il y a des bourreaux, hein. C'est pas accidentel. Mais il y a des victimes des deux côtés. Il y a des victimes qui n'ont pas eu droit à leur statut de victime. Et beaucoup dans cette affaire-là. C'est-à-dire que la plupart des appelés n'ont pas torturé, n'ont pas commis de crimes de guerre, ils n'ont pas tous volé, ils n'ont pas tous violé. Et pourtant, et c'est le côté secret de famille, la France avait un tel malaise par rapport à cette guerre, une telle culpabilité secrète, qu'on les a laissés se débrouiller tout seuls, on ne les a pas laissés s'exprimer, on avait trop peur de ce que chacun allait dire, à la fois au niveau individuel, au sein des familles. C'est-à-dire que tout le monde savait en France que dès 54-55, il y a eu enfin, des 55, très tôt dans la guerre d'Algérie, il y a eu des massacres, des exactions, de la torture, etc. Et tout, on savait, ça n'a pas été. On essaye toujours de le cacher, et puis ça sort toujours dans le monde, ça a été écrit dans d'autres journaux, il y a des témoignages, ça très tôt. Donc toute la France sait que ce qui se passe en Algérie est très moche, que ce qu'on y fait est très moche. C'est 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le souvenir de l'occupation, des exactions nazies, etc., est encore très présent dans toutes les mémoires. Tout le monde les a connus, y compris ceux qui font la guerre d'Algérie. Et donc personne n'a envie d'être dans ce rôle-là. Et pourtant, objectivement, il y a quelque chose qui a à voir avec ça. Et donc il y a une espèce de honte nationale. Et donc on n'a pas envie que dans les familles, de savoir que son fils, son frère, son fiancé a torturé, a tué. Et donc, plutôt que de prendre le risque d'entendre ça, on préfère taire la chose. Ce qui fait que, collectivement, même ceux qui n'ont rien fait, ben, se retrouvent à porter le poids de ces exactions. Si on revient sur la forme du film, est-ce que vous l'avez écrit avec Laurent Mouvignies lui-même, et notamment ce procédé qui fait vraiment la singularité du film et qui, je pense, lui a valu sa sélection officielle à Cannes, ce procédé de récital de voix off avec des conversations spatio-temporelles presque fictives entre des protagonistes entre eux, mais aussi à travers leur propre histoire à plusieurs dizaines d'années d'écart. Comment vous avez travaillé cet aspect-là par rapport au livre? Est-ce que ça pouvait pas être dans le livre? Je pense pas. Il y avait quelque chose d'un peu équivalent. Laurent, donc d'une part, pour répondre à la première question, on n'a pas travaillé ensemble sur le scénario. Je lui ai proposé, il n'en avait pas envie. Pour lui, le livre était derrière lui. Donc le film, ça devenait un nouvel objet qui était le mien. Donc ce qui l'intéressait, c'était mon regard sur son livre, ce que j'allais en faire. Et puis il n'avait pas spécialement envie d'y travailler. Donc ça, c'était bien parce qu'il me laissait à la fois un regard à la fois bienveillant et qui me laissait libre un peu comme s'il m'offrait son livre. Et puis Laurence Mauvignier, c'est un peu l'auteur du soliloque. C'est-à-dire que dans tous ses romans, il y a voilà, les personnages se parlent, réfléchissent sur eux-mêmes, sur leurs conditions, sur ce qu'ils sont en train de vivre. Avec ça fonctionne comme la pensée. Ça passe du coq à l'âne, où c'est en boucle, on se répète 3 fois la même chose, on creuse. Et tous ces personnages sont là-dedans. Donc il fallait retrouver ça, parce que c'était très important, notamment sur ce livre-là, qui est aussi sur la mémoire, et que la mémoire, elle fonctionne comme ça. On peut revenir 20 fois sur le même souvenir, se gratter, l'imaginer un peu différent, se dire que se serait-il passé si j'avais agi différemment, revoir, essayer de retrouver. Et le livre est travaillé là-dessus. Donc il y avait besoin, je pense, de cette voix off, à la fois pour les échanges qui sont temporels ou spatiaux, c'est-à-dire qu'on a presque la télépathie par moment, et à d'autres moments, ça raconte purement et simplement la mémoire, la lecture de lettres ou la relecture de lettres 60 ans après, des choses comme ça. Et donc la voix off permettait mille choses assez riches et assez belles. Et puis la voix off, c'est aussi une façon de susurrer à l'oreille des spectateurs. On peut parler tout bas et dire des choses très précises et provoquer comment dire, des chocs entre l'image et ce qui se raconte, c'est-à-dire montrer quelque chose de très doux et de raconter en même temps au son quelque chose de très dur ou l'inverse. C'est un des outils du cinéma. Et justement, quand on voit le film, quand on voit le résultat, on imagine que le film, il a été pensé d'abord par le texte, ensuite par le son et en dernier par l'image. Comment vous avez travaillé justement le son et comment vous avez travaillé l'image? Et si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me corriger.
Non, c'est pas une bêtise, mais c'est un peu comme les chansons. Est-ce que le texte vient avant la musique ou pas? Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai pensé au son très très tôt dans l'élaboration du film, mais sur tous mes films, finalement, je pense au son aussi en l'écrivant. Mais l'image aussi, là, c'est un film que j'ai beaucoup dessiné, par exemple. Dessiner les plans, imaginer pour organiser justement les passages entre les flashbacks et l'époque contemporaine. Donc tout se fait ensemble et au moment où j'écris le scénario, ben, je pense justement à l'effet que ça peut faire, cette voix off et ce son, et même la nature du son, parce que les voix off ne sont pas toutes les mêmes, elles n'ont pas toutes la même fonction, elles ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Donc il fallait penser à la nature du son. Quand on est au cinéma, tous les sons n'ont pas la même. C'est comme en musique, hein, ou comme sur un disque. C'est là où il y a le rôle en musique, on dit le producteur du disque, mais le son se travaille, on travaille sa matière. Et donc, entre un son enregistré en studio, une voix enregistrée en studio et une voix enregistrée dans une cuisine, c'est pas le même, ou dehors, c'est encore autre chose. Et donc, je pense que ces différentes matières de son mettre le spectateur dans une ambiance particulière pour raconter les choses différemment. Donc tout ça, fallait y penser. Ça, c'est l'expérience qui permet ça. Quand on fait son premier film, on n'imagine pas à quel point on peut travailler le son et à quel point on va raconter des choses spécifiques avec le son. Et donc on écrit sans trop penser au son et c'est le travail qu'on fait en dernier. Mais quand on a fait, moi c'était mon 11e film, plus des téléfilms. Donc je commence à avoir un peu de bouteille, donc je commence à comprendre un peu comment on fait du son, ce qu'on peut faire avec. Et donc ça me permet au moment où j'écris de déjà me dire, mais tel type de son, et ça sera plutôt cette texture-là plutôt qu'une autre. Et voilà, ça permet d'aller plus loin dans l'élaboration du film. Une dernière question sur le sujet en lui-même et son timing, comment vous voyez les choses. Est-ce que, par exemple, il y a une urgence à ce que le débat soit réouvert sur cette question-là, parce que les gens, il y a encore des gens qui peuvent en témoigner, par exemple? Oui, il faut le réouvrir assez vite pour deux raisons. D'une part, parce que il y a encore des gens qui peuvent témoigner, notamment des anciens combattants, et il faut leur donner la parole à la fois pour les alléger de cette parole-là, mais aussi pour qu'ils disent les choses telles qu'elles sont. Et ils commencent à vieillir, donc on n'a plus énormément de temps pour recueillir cette parole-là et l'entendre. Et en même temps, parce que c'est une question qui travaille encore la société française en profondeur, et que cette histoire-là est instrumentalisée. C'est-à-dire qu'on est quand même assez loin de l'histoire telle qu'elle s'est passée vraiment, enfin ce que ça a été la colonisation. Chacun la raconte à l'aune de ce qu'il a envie de faire. On voit qu'on instrumentalise les gamins, par exemple, en banlieue, autour de la question de la colonisation, de la guerre d'indépendance, et puis les nationalistes de l'autre côté. Instrumentalise aussi cette histoire-là de façon assez abjecte. Et donc il est temps de reparler de tout ça à travers le travail des historiens, mais aussi des récits directs pour remettre chaque souffrance à sa place. Eh ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.